Alors aujourd'hui, on fait Miss Dark Universe, vendredi 26 août 2022, 25 et 24. Alors on commence tout de suite avec Porcelain Lolita, en sorcière à plumes avec son pantalon inversé. Chucky, assise sur le banc de parc Libellule. Venomous Dolly, un œil bleu, un œil vert, un bonhomme sourire, un bonhomme triste. Contessa Signagna, qui est très populaire sur le Gothic Illimité, maintenant 26 000 membres. Edderay avec sa bicyclette à la plage. Norelka et son tatou de chauve-souris. En position numéro 7, Christiana Wanamoni devant ses posters de The Lost Boys et A Nightmare on the Kitty Cat from Elm Street. Stésia, les cheveux moitié verts, moitié roses. Mais qu'est-ce qui noire, toujours exubérante, deux bagues dans le même doigt. Gothitelix du Canada avec ses magnifiques bottes, ça s'accroche. Lunarlo avec son chandail du groupe Grunge Alice in Chains. Lady de Night avec son soutien-gorge à Stord. A Nightmare on Elm Street from the Kitty Cat. A Nightmare Kitty Cat, toujours extravagante. Et Nidens, alors c'est comme ça qu'on vise avec son épicard. Si point Rockin est dans son bain avec ses rouges noirs, la bouche en sang. Dana Lovecraft qui marche sous les arbres noirs et blancs fleuris roses. Small and Grumpy sous des peupliers avec sa jarrelle chauve-souris. Schlam Crab, il pousse éteint et c'est la fin. Sous le bonnet qui a le cœur à la bonne place. Séraphine Poudrier Marie avec ses pantalons alignés avec des chaînes, sa croix. Van Crane avec sa jupe moitié rose, moitié noire, moitié rose. Hellcake avec son corset transparent. Nympho point back, les deux bas différents assises dans l'escalier, les cornes du démon. Evie. Évidemment. Cutique avec la tonique de fleurs, tout est monde. Et finalement, la grande gagnante, Miss Dark Universe, vendredi 26 août 2022. Et où est passé l'été? Pour sauver le Lolita, en sorcière à plumes avec son pentacle inversé. Donc, c'était Eric avec le logo. Juste de l'heure.